我下天会去法国的时候，第一次让我的法国朋友认识台湾的文化。透过台湾的食物，我让我的法国朋友接触我的第二家乡。虽然有些食物没有特别受欢迎，但整体来说，我的朋友们都很好奇，想要更了解台湾。结果，在影片看到我的那两个朋友，真的飞到台湾来找我，说想要体验一下这里的生活。为了让他们快速了解台湾，我准备了一个超台的行程，让他们变成加杠的台湾人。他们晚上四点才到台湾。Je pue la mort. Tu vous êtes prêts pour 10 jours de folie? Ouais, ça ouais. 我先带他们去住的地方，然后他们吃一下东西，然后休息。当隔天早上真正开始介绍台湾给他们。说到早上，我不得不带他们去吃台湾的传统早餐。Et c'est vrai que là, tu nous as proposé d'aller prendre notre petit-déj dehors, tout de suite, dans la rue, quoi. Donc c'est vrai que ça nous a un peu surpris, déjà. Non, mais c'est vrai qu'en France, c'est beaucoup sucré, quand même. Bah, tartines de confiture, un chocolat au lait, ou je sais pas, oui, des céréales. C'est vrai que non, c'est que sucré, nous, le matin. Du miel, des yaourts. Parce que aussi, ça aussi, c'est vrai que ça m'a surpris. Alors les amis, bienvenue à Taïwan. Ah, super. Vous avez bien dormi? Ouais, ça va. Beaucoup. Pour cette première journée les amis, nous allons maintenant procéder au petit déjeuner. Oh, le petit déjeuner, le moment le plus important de la journée, on est d'accord. Pour le petit déjeuner, les Taïwanais en général, ils mangent dehors. Et là, je vais vous amener pour prendre un petit déjeuner traditionnel taïwanais. Excellent. Vraiment le plus traditionnel qu'on puisse avoir. Là, on est arrivé, on est près de là où on habite, on est à Yonghe. Donc, je vais vous présenter le petit déjeuner traditionnel taïwanais qui va peut-être vous surprendre. Est-ce que vous avez faim? Ouais, moi j'ai faim. Moi, vous avez faim? Moi j'ai bien faim. Si moi, j'ai vous bien avez faim, normalement, on devrait bien s'en sortir. Ba-da-ba-ba! Waouh! Waouh! Et là, elle nous sert plein de bols, des assiettes avec du riz, des omelettes. Des sticks, des petits bâtonnets, je sais plus. Je pense qu'on est un peu. Tu manges tout ça le matin? Je pense que c'est un peu beaucoup. Tu manges un peu avec nous aussi? Mais j'ai mangé avec vous inquiétez pas. J'ai mangé avec vous. Wow. Alors, je vais vous présenter un par un, mais est-ce que ça vous paraît bon? Ah oui. Ah, ça me paraît bon. Ouais. Peut-être pas tout, genre ça en violet, là je sais pas trop c'est quoi. C'est du tarot. Ah, c'est du tarot. Alors déjà, comment on tient une baguette? Vous savez vous utiliser des baguettes? Non, vous savez pas utiliser des baguettes. Vite fait. Mais si, ça va. C'est comme ça que ça va. Comme ça? Ici, on a ce qu'on appelle Wei Yu Mi Tam Bing. Tu mets d'un coup dans la bouche? Mais c'est bouillant. Mais c'est bouillant. Non, c'est gigantesque. Mais gros, comment tu veux faire? C'est gigantesque. Il y a tout. Mais tu es un putain d'autiste. C'est genre un gros nain. Les trucs frits là. C'est ma nourriture préférée du matin. Ouais. Le matin, je mange ça presque tous les jours. Vas-y, je sais pas manger avec des baguettes. Moi. Non, mais dommage, c'est du thon. Pourquoi t'aimes pas le thon? Ah, t'aimes pas du tout? T'aimes pas du tout le thon non plus? Mais du coup, ça va, ça passe bien parce que c'est le fruit et tout, j'adore ça. Mais le thon, tu vois, là, j'ai eu un Roland, je préfère. Maintenant, on va passer à quelque chose qui est un peu plus étranger. Putain, c'est encore du poisson. Y a pas de poisson. Y a pas de poisson. Il y a du calamar, genre. Ça s'appelle Lubota. 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 J'arrive pas à faire de rapprochement avec quelque chose. Moi non plus. Une courge, une sorte de patate. Une patate? C'est du tarot encore? Non. Non. Moi j'aurais dit tu as une galette de riz, mais. Ça se rapproche de la patate. Ça se rapproche de la patate. Le navet? C'est du navet. C'est du navet. Oh, c'est du navet. C'est du gâteau de navet. Et bah, ça passe bien, putain, le gâteau de navet. Ça passe bien, mais c'est. Ça paraît bien, c'est consistant. C'est consistant, ouais, voilà. Est-ce qu'il passe encore mieux? Quand t'as la sauce qui va avec. Oh. Celle-là, elle est légèrement sucrée. Je pense que vous allez. On dirait une sauce barbecue. Ah non. Ah, ça passe encore mieux. C'est encore meilleur. Je vais dire à ma mère qu'elle en fasse. Yes, merde. Mais ça, on n'en fait pas du tout chez nous. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Combien vous mettez sur 10? Avec la sauce, je mets un bon 8 sur 10. 8 sur 10. Ouais, ça, franchement, je trouve ça vraiment bon. Ça s'appelle Utoh Man Tong Tan.
Uto mantong tsuntan. Tsuntan, oui. Wow, la consistance, elle... La consistance a l'air très... particulière. Mmh. Ah, oui. Mais c'est super mou, du pain. Ce qui est important, c'est la consistance. Tu peux voir que quand tu le découpes, c'est pas comme du pain. C'est pas comme du pain chez nous. C'est comme l'intérieur du pain chez nous. Ouais, ouais. C'est ça. Mais en violet. À la fin, ouais, j'avais un petit goût du tarot. Ouais. Pas galos, non. Ça se prend comme ça. Okay. Vous allez à, mais comme à chaque fois, c'est des trucs bien conséquents. C'est le matin. C'est pour, être blindé toute la journée. Voilà. Maintenant, il faut essayer de trouver c'est quoi à l'intérieur. De la crevette. Du crabe. Par que leur prénom. C'est ultra confiant. Il y a plein de trucs dedans. Ouais, il y a plein de trucs par contre. Ouais. Ça, je suis moins fan. C'est des marrons, c'est quoi? C'est de la poudre de viande. De perlimpinpin. Quoi? C'est de la poudre de viande. Parce d'accord. C'est pas bon. Pourquoi ils mettent ça en poudre? Faut pas mettre en poudre, hein. Pour le steak entier, nous. Faut la bonne entrecôte. Faut la bonne entrecôte. J'aime beaucoup le riz collant, moi. J'ai préféré le riz collant, mais ouais, riz collant, la garniture est peut-être un peu trop salée à mon goût, je sais pas. C'est, ouais, c'est poudreux, ouais, c'est chelou, vraiment. Il doit y avoir une raison qu'ils mettent ça en poudre. C'est plus pratique, genre, je pense. Ils veulent optimiser à mort, ils font là, ils saupoudrent. Je sais pas pourquoi. Je sais pas la raison. Maintenant, les amis, on va goûter à quelque chose que moi, personnellement, je suis pas très fan. D'accord, ça nous met en jambes, c'est bien. C'est bien. Je suis pas fan, mais c'est typiquement taïwanais. Super. Après, t'entends. Ah, je pensais que c'était plus... Ah oui. Plus liquide que ça. Ah oui, non, il y a... Mec, ça a l'air très grand, en plus. Ah, c'est chaud, très huileux. Wow, mon père, l'odeur, déjà. Et si je vomis, vous m'en voulez pas, hein. En fait, c'est la consistance qui est bizarre. Mais non, au goût, crabe. Ça va. Hein? C'est crabe. Et du crabe? Non, je dirais pas. Il y en a nerf, non? Ça m'étonne que tu sois pas, que t'aies pas une réaction, parce que ça me fait vraiment penser au crabe. Si, un peu, ouais. Il y a du crabe, déjà? J'avais beaucoup. Il n'y a pas de crabe. Un peu de ça. Mais moi, je suis étonné, c'est pas le goût dont je me rappelle. Ah, okay. Ah, c'est dégueu. Ouais, non, c'est pas génial. Bah, en fait, quand t'as que le truc, ouais, heureusement qu'il y a ça un peu en plus. Non, c'est pas mon truc non plus. C'est pas ton truc. Non. Et notre dernière item. Du coup, tu trempes ça. Exactement. Et ça, les amis, ça, je le mets en dernier parce que vous avez déjà goûté. Mi-tiang. C'est très épais. C'est de la sauce bœuf, ça. On a déjà goûté. C'est de la sauce de viande, ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ça et on le trempe dedans. Ouais, et c'est on ça. On mange comme ça. Oh, c'est vachement léger. Et ça, c'est cool. C'est des trucs frits, mais c'est cool. Enfin, on a déjà mangé ça. C'est le truc au mille trésors. Au mille trésors. Mmh. C'est bon. Laisse goûter, Antoine. Donne-lui ton tour de goûter, Antoine. Bah, la consistance, ça fait penser. Cacahuète. Je reconnais tout à fait le truc à la cacahuète. T'aimais pas toi la cacahuète? Ah, j'avais pas aimé du tout. Non, heureusement qu'il y a tout pris parce que. Non, j'avais été le seul, je crois même, à pas avoir. Oui, aimé. Oui, ah, oui, si, ça sent à mort. Je trouve ça vraiment chou. Comment on peut faire la dissociation cacahuète liquide, c'est comme ça. Ouais, bon hein, c'est bon. Ah ouais. Ça peut se prendre direct comme ça. Ouais, bah on va éviter hein. À partir des tartines de confiture, vous faites pas ça ici? Non, non. Ça se fait pas du tout. On pourrait même presque dire c'est en France en fait qu'on mange sucré quoi le matin. Parce que tous les Allemands ils mangent salé, les Anglais ils mangent salé, vous mangez salé, les Américains ça m'étonnerait pas qu'ils vous fassiez, bah si, bacon, œuf et tout, ouais. C'est salé aussi, je pense qu'on est les seuls en fait. Et vous pourriez vous habituer à manger salé le matin? Ouais. Du coup ouais, t'as quand même plus d'énergie pour le reste de la journée. Ça te calme mieux, c'est...
tu vois, même pour aller travailler par exemple, je pense que c'est vrai que c'est peut-être mieux. Parce que des fois moi j'arrive au travail et du coup j'ai pas d'énergie au final, et c'est pour ça aussi que je bois du café du coup, pour me donner un coup de peps pour me réveiller. Nous chez nous on a que les boulangeries, donc on pourra juste acheter au final des trucs sucrés, donc des croissants, des trucs comme ça, mais c'est pas pareil. Ok les amis, donc ça c'était notre petit déjeuner, maintenant on va aller faire de la randonnée. Et j'ai une surprise pour vous un peu plus tard dans la journée. Woman Chatsuden! Bye bye! Bye! Après avoir transpiré, avoir eu bien chaud, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller tester une des spécialités de Taïwan, la glace pilée. Déjà, quand on est arrivé et qu'on a vu que sur tous les murs, t'avais plein de photos de gens, sauf que les gens, ils étaient pas deux ou trois, il y avait genre des groupes de 10 personnes. What? What? Mais gros, mais ça peut se renverser, mais gros. On arrive à 3 comme ça, on se dit... Quentin est ambitieux. Ouais, un petit peu.